C'est terminé. Il faut la laisser tranquille. Elle est encore assommée par le bromure d'éthyle. Donnez-moi de quoi me laver les mains, je vous prie. Elle a mal? C'est assez douloureux. Si au moins la piqûre pouvait l'aider à retrouver le sommeil. Ça. Il n'y a plus d'espoir? Elle a reçu le vitriol en plein visage. À moins de 50 cm. Souvent, le liquide est jeté trop vite, de trop loin. Alors les brûlures s'espacent et le liquide ne fait qu'éclabousser. Mais là, pour lancer le vitriol avec autant de précision, il faut beaucoup de sang-froid. Des gens comme ça, ça ne sert à rien de les envoyer en prison. Il n'y a que la peine de mort et encore. On le saura dans très peu de temps. Pourvu qu'il soit condamné. Malheureusement, il a un très bon avocat. Il n'y a pas d'avocat qui tienne devant l'ignominie de certains actes. Je regrette qu'elle n'ait pas voulu aller elle-même devant la cour. Mais oui, elle aurait très bien pu se présenter elle-même au tribunal avec sa pauvre figure brûlée. Elle aurait été le plus terrible des réquisitoires. Enfin, le certificat que j'ai établi devrait être suffisant. Vous l'avez envoyé à la justice? Je l'ai donné hier à votre sœur, elle ne vous en a pas parlé. Je n'ai rien vu. Elle a certainement dû l'envoyer. Continuez les pansements. Et si elle souffre trop, donnez-lui ce que j'ai prescrit hier. Quand reviendrez-vous? Mon Dieu, maintenant, je n'ai malheureusement plus grand-chose à faire. L'essentiel est de lui donner confiance. Je ne me fais pas d'illusions. J'ai très bien compris, après ce que vous m'avez dit, que jamais, jamais elle ne reverrait la lumière. Aveugle à 30 ans. Elle était si jolie, vous vous souvenez? Maintenant, c'est un monstre. Calmez-vous. Reprenez-vous. Les aveugles ont une sensibilité profonde, vous savez. Il ne faut pas que votre sœur s'aperçoive de quelque découragement de votre part. Le seul soulagement que nous puissions lui apporter, c'est de lui donner l'espoir de guérir. Parce qu'à vrai dire, ces piqûres... ne servent à rien? À rien. Mais si cela peut lui permettre d'espérer... alors ne pourrait-on pas les rendre moins douloureuses? Elle dit qu'elle lui cause des maux de tête intolérables. Mais ce n'est pas la piqûre qui lui donne mal à la tête. C'est le fond de l'œil. Manger, déchirer. La piqûre n'est douloureuse que sur le moment. J'aurais pu lui donner des massages et des frictions. Mais dans certains cas, le malade croit d'autant plus au traitement qu'il lui fait mal. Jean, c'est toi? Oui, le docteur est là. C'était pas tant, hein, ce bromure d'éthyle. J'ai mal. Il ne fallait pas me réveiller. En ce moment, ça me brûle au fond de la tête. Comme si on grattait avec un couteau. C'est atroce. Que voulez-vous? Le traitement est douloureux, mais nécessaire. Vous croyez? Vous ne pensez tout de même pas que je m'amuserais à vous faire souffrir si je n'étais pas sûre de vous voir guérir? Guérir? Mais avec les yeux brûlés. Un œil brûlé, un œil, oui, ça c'est malheureusement vrai. Mais il y a l'autre, et je vous assure, on peut le sauver. Bien sûr. Si ce que vous dites est vrai, si un jour je peux voir à nouveau... Mais oui, simplement, il faut être courageuse et avoir confiance. Avoir la foi. La foi, avoir la foi. Vous souffrez toujours autant? Non. Ça se calme. Ça va passer petit à petit. Au revoir. Au fait, mon certificat, vous l'avez envoyé? Oui, oui. Mais quand? Hier. Ce n'est pas possible. Oh, je t'en prie, laisse-moi. Laissez-la, il lui faut le plus de calme possible. Tu n'as besoin de rien? Non. Le docteur est parti? Oui. Tiens. Le voilà, son certificat. Tu ne l'as pas envoyé? Mais je ne veux pas l'envoyer. Tu ne veux pas, mais pourquoi? Tu as déjà refusé de te présenter au tribunal. Pour me donner un spectacle.
j'exhibais à tous ma face dégoûtante et l'horreur que je suis devenue. Jamais. Il ne s'agit pas de ça. Il fallait te montrer. Pour le faire condamner ? C'est un procédé misérable. Quoi qu'il en soit, ce certificat, il est indispensable de l'envoyer. À quoi bon ? Qu'est-ce que tu fais ? Je le déchire. Tu veux donc qu'on la quitte ? Et qu'est-ce que ça peut bien me faire si on le fait condamner ? La vengeance ! La vengeance ? Vraiment ? J'essaye d'oublier. Oublier ? Oublie-le, d'accord ? J'ai eu tort. J'ai eu tort de t'écouter. On aurait dû se porter partie civile. Tu n'as pas voulu. Une déposition devant la cour, tu trouvais ça suffisant. Et aujourd'hui, non seulement tu refuses de te rendre au tribunal, mais tu n'envoies même pas ce certificat. Vraiment ? Tu laisses un boulevard à son avocat. En ne te défendant pas, tu dis clairement au juré « J'ai tellement mal agi avec cet homme que son geste est excusable. » Et on l'excusera. Il sera acquitté. Et sa liberté équivaut à ta condamnation. Ce sera toi la coupable. Non. Mais si. Tant pis. Non, pas tant pis. Il n'y a pas que toi. Il y a nous. Il y a la famille. Nous sommes solidaires les uns des autres. Et en obéissant à je ne sais quel sentiment d'indifférence, tu te fais tort. Et tu nous fais tort. J'admets bien des faiblesses, mais je trouverais monstrueux que tu puisses avoir quelque pitié pour ce misérable qui t'a perdu. Perdu ? Je suis perdu de toute façon. Non, pas perdu. Perdu. C'est pour cela que je raisonne différemment. Je m'exprime mal. Le docteur te l'a encore dit. Le docteur peut bien venir avec ses piqûres. Crois-tu sincèrement que... Que quoi ? Que je reverrai. Mais bien évidemment. Tu me crois, n'est-ce pas? Oui. Et mon visage. Mon visage. Dis-moi la vérité. Il est effroyable. Mais non.